On se retrouve pour Infinite Discovery. Pour la suite. Infinite Discovery. Ça comme ça. Square Enix. Square Enix. On va loader. Secteur ennemi. Voilà les prochaines parties. Les parties précédentes étaient et sont. Enfin, étaient sur Mixer. Sont sur YouTube, au moins maintenant. Heureusement que j'ai uploadé ça sur YouTube. Et voilà, vu que Mixer parfois a des petits problèmes, bon, je me suis dit. Autant continuer sur Twitch. Ouais, autant continuer sur Twitch pour ne pas avoir de problème. Oh, c'est merveilleux. On a détecté le jeu direct. Bah, c'est parfait ça. Si tu détectes le jeu direct, mon petit. Bon. Ah oui, j'étais paumé. Je sais plus où il le faut aller. Il faut aller à Fail. Fail. Le problème, c'est que là, on a Lucé. Fayel. C'est où Fayel? J'avais dit que j'allais chercher. Et j'ai pas cherché en fait. Fayel. Infinite Discovery. C'est pas ici Fayel? Je comprends rien. Attendez. Pas une map. Map. Chut, tais-toi. Là, c'est pour retourner à l'UC. Ouais, j'ai oublié le nom de la ville. C'est un truc de fou, ça. Ça, c'est la plaine de l'UC, on est d'accord. Ah merde, c'est Bulgas. Le con. C'est Bulgas. Donc il faut en fait aller. C'est un. Oladea. Oladea, Oladea, Oladea. Putain, mais j'étais allé à Oladea. Ok, depuis Oladea. Oh la vache, c'est super loin. Ouais, d'accord. Ouais. Bon, bah on s'amuse. On s'amuse. Ah merde. C'est vrai qu'il fallait que je change le truc du chat. Voilà.
dans ce que c'est le chat. Peut-être dans communauté, peut-être dans cette channel. Modération. Puis en plus c'est en japonais. J'ai foutu mon iPad en japonais. J'ai oublié de le remettre en français. Là, bon, c'est pas grave mais. Allez, bloc off. Y'a pas un truc pour sauvegarder ces settings, j'ai pas l'impression. C'est où déjà le truc de OKDA ou je sais pas quoi là. Faut faire un demi-tour par là. Ok, on y va. On y va, c'est parti. Tiens. Ça peut changer. On est bon là. Je crois qu'on est bon. Pourquoi tu veux pas? Ozone. Ça a dû sauvegarder, mais ça ne sauvegarde pas. Ah voilà. Voilà, le chat devrait bien marcher. Alors du coup, c'est par la map, Luc. D'accord, c'est ce chemin-là que j'avais pas vu. Évidemment, toujours le chemin qu'on prend pas. Makenaino. Spotlight, toi, ouais, disons. Mais on voit pas des trucs Twitch, je suis en train de streamer justement. Heureusement que les monstres ils sont pas très très puissants parce que ça me permet de regarder le site tout en jouant. Ce qui serait pas une très bonne idée en jouant FPS. Oula. Oulolo, il y a beaucoup de settings. Hein. On peut voir le bitrate en direct. Ouais, mais non, on va aller sur Home. Là, par contre, c'est pas du tout par là. Bon, on va laisser les cactus tout seul là. C'est plus par là je crois. Bon allez, on va juste tuer un ennemi ou deux. Histoire de. Il avait envie de mourir. Ah c'est bon, il est mort. Mais
Il n'y a pas droppé un truc, il n'y a rien droppé. Mais merde, c'est pas là. Mais merde, quel con, je suis trompé d'endroit. On est allé à Chopron, au village de Chopron. C'est pas là qu'il fallait rester à gauche. Pouvoir passer. Ah non, pas encore, un petit peu plus haut. Bon, là en principe, ça devrait être bon. Putain, la caméra. Ah merde, il y en a une autre. Encore paralysé. Alors la map. La map, ouais c'est ça. Putain, mais il y a encore un ennemi. On va se reposer ici. Je crois qu'il a raison. Les capelles, vas-y, un petit peu de courage. Bon, on a fait avancer le Schmilblick, ça c'est très bien. Loca. Les campements, ça rappelle de mauvais souvenirs quand même, ça rappelle FF15. Voir les étoiles, tant mieux. Merde, qu'est-ce qu'elle veut que je ramasse? Elle veut que je ramasse 10. Ouais, elle veut que je ramasse. Ok. Pour faire du feu, ok. Oh, ça devrait aller. Ça devrait aller, sauf si, bien sûr, il y a un événement. Un event. C'est l'ennemi ça. Ok, c'est pas du tout ce qu'il nous faut ça. C'était un antidote. Je suis sûr qu'il va y avoir des ennemis. Berry. Ah, Brandy. Une queue de phénix. Une brindille. Là-bas aussi, une brindille.
J'aurais dû peut-être compter combien j'ai de brandy. Je me souviens plus, disons. Non, ça va, il n'y a pas d'ennemis au final. Encore une brindille. Est-ce que j'en ai 10? Je suis pas sûr. Est-ce que je peux le voir dans l'inventaire? J'en ai 8. J'en ai 8. Elle m'a dit de ne pas aller trop loin. Ah non, c'était par là qu'elle m'avait dit ça. Parce que là, on peut y aller. Non, on peut pas y aller non plus. Putain, on va pas être bloqué là quand même. Bon, ça, c'est un fruit, on s'en fout. Ah, là-bas. Là-bas et... Et... C'est en venant. J'en ai pas assez, hein. J'en ai 9. Ouais, j'en ai 9. J'en ai 9. Faut la capacité. Saloperie, va cacher ça dans les herbes. Les petits salauds. C'est des fourbes quand même. Les développeurs de jeux, c'est des fourbes. C'est Square Enix, mais c'était des fourbes déjà à l'époque. Ah. Ah non, c'est nous. Putain, j'ai eu peur. On est bon à la flûte. C'est une belle musique, une belle mélodie. Quel est son nom? C'est moi qui l'ai composé. C'est la sérénade des perdants. J'aurais mieux fait de pas demander. Tu ne dors pas? Non, je regarde un petit peu plus. Regarde le feu. Il y a la mélodie, sauf que... Il n'utilise pas sa flûte, ça c'est bizarre. On est proche de la ville. Donc on devrait pouvoir y arriver demain. Pourquoi est-ce que tu nous as suivis? Tu voulais pas naître avec nous au début? C'est
馬鹿正直というか、すっごい自己中っていうか。喧嘩売ってる。Tu es une personne très prétentieuse, donc c'est pour ça que je t'ai suivi. Tu veux te battre, c'est ça ? そういうの、もうゴリゴリだったから。Jusqu'à présent, on n'arrêtait pas de me mentir. Je vivais dans le mensonge. もっと頑張らないとな。すでに頑張りすぎじゃない？あんたも、もっとバリバリやんなさいよ。もう、ほんとこれぐらいで勘弁してください。お願いします。ダメ。Nous devons nous efforcer, faire plus d'efforts. Non, moi j'en ai assez à ce niveau-là. C'est bon. Non. Bonne nuit. Ah tiens, c'est une nouvelle musique. Pourquoi ? Je comprends pas pourquoi ils nous demandent de refaire notre équipe. Enfin, voilà. C'est pas comme si on avait eu de nouveaux personnages d'un coup, ça c'est bizarre. Et bon, pourquoi pas. Oui, donc on est presque à Feyel, donc Feyel un petit peu plus au sud et à l'ouest, et ça sera bon. On pourra retrouver nos autres personnages. Ce qui est pas plus mal. Shakito shite, Luka. Ton tour, monsieur le ptérodactyle. Il s'appelle Garouya en plus. Ouais, on est arrivé, c'est merveilleux. そうな町だね。よっぽどいい王様が治めてるのかな。この国は市長国。王様じゃなくて市長が治めているのよ。お、そういえばフェイエールは市長国って言うんだったね。王様と市長ってどう違うのかな。もともとはこの国の代表的な部族の王様が持ち回りで市長をやっていたの。いつからか今の市長の祖先が接収するようになって、王様と大して変わらないんじゃない？そうかもね。Une sorte de premier ministre qui est comme un roi et qui n'est pas un roi. Mais au niveau du statut, c'est quasiment la même chose. ちょっと行かなきゃならないところがあるの。Je dois aller à un certain endroit. じゃあね。A plus. Ce fut rapide. Serait-ce les toilettes ? Les comiques. Voilà, Aya nous a quittés. C'est pas grave, on est dans la ville. Ah, Samsung. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu parler de Samsung. Putain, ils choisissent les noms d'une façon quand même. Samsung, apparemment, c'est le mercenaire le plus puissant qu'il existe. Hey, Samsung. Ah là 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 là. Il adore les filles. Un don juan. Allez. Hop, hop. Oh, mais c'est Enma. C'est notre ami Enma.
qui nous dit de faire attention parce qu'il y a beaucoup de monde. Il va se passer des choses à mon avis. Mathilda. Tout le monde s'entraîne parce que c'est un pays de roches et de sable. On se croirait dans la vallée des Gerudo de Zelda, quoi. Avec la musique en moins, quand même. Toi, tu nous dis quoi? Il veut devenir un soldat. Oilawa. Qui c'est qui disait Oilawa? Oilawa, Oilawa. Je sais plus. Donc, il veut devenir un soldat, ouais. Les soldats de Feyel n'ont pas peur de l'armée des sceaux. Ah non, c'est pas l'armée des sceaux de la mort, hein. Qu'est-ce que je raconte? Y'a rien ici. Bon, là c'est pour revenir. Ok, on est venu de là en fait, d'accord. Et la cutscene nous a amené directement là-bas. Ça doit être ça. C'est ça, ouais, je crois. Bon, toi, on peut pas te parler, vu qu'il n'y a pas Lucas et Loka. Alors, qu'est-ce que nous on repose? Cimetière, falchion. Un arc de fer. Ça c'est pour Aya, ça c'est pour je sais pas qui. Ah merde. Là, on peut pas voir, vu que j'ai pas les personnages avec moi, on peut pas voir pour qui c'est. Tant pis, on reviendra plus tard. Ouais, surtout qu'en plus il y a ça qu'on pourrait acheter pour Capel. Ouais. Ouais, il y a quelques trucs qu'on pourrait acheter pour Capel, ouais. Agilité. Ça coûte combien? 1750, c'est pas très cher. Peut-être qu'on va juste prendre ça pour le moment, parce que bon, l'agilité, c'est vrai que ça peut être pas mal. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est pas grave. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. J'avais pas fait gaffe. Ça augmente l'attaque de 120. Oui, je crois qu'on va le prendre, lui. On sait jamais. Putain. En effet. L'attaque de 120, c'est assez impressionnant. Même. On va prendre les bottes. Les bottes, ça augmente de 10 la défense. Putain, ça aussi, ça augmente de 10 et l'autre aussi. L'autre c'est de 5. On va juste prendre ça alors. Juste prendre ça. On verra si on prend l'armure plus tard. Équipement. Hop. Non, on n'a pas pris ça. Ça c'était nul. Ouais, c'est ça. Donc, hop. Et les bottes. Toto et les accessoires, j'ai pas de nouvel accessoire, je crois. A critical, chance de critique plus 3%, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Ouais, mais de ça, tiens. J'avais pas vu que j'avais eu un anneau. Là, y'a personne. Toi, tu veux quoi? Tu attends que ton père revienne. Okay. Son village a été attaqué par l'armée des sceaux. Ah. Et elle a attrapé un virus. C'est bien le moment, dis donc. Ah oui, Samsung, oui. Mais tu vends pas, toi? Il raconte sa vie seulement. Ah, ça, c'est des accessoires. Donc, ça fait quoi? Ça fait rien. Les accessoires, ils font rien du tout. Hein. C'est quoi, ça? Ça augmente l'attaque. Ça baisse la défense.
C'est assez étrange quand même comme accessoire. Mais on va rien prendre. Elle vient de Kelunten. Et elle aime les accessoires. Le cliché. Ma fille qui aime les accessoires. Ah. On a déclenché une scène. On m'a dit que c'était un Kapelu sama desu ne. Hai, Kapelu sama desu. Ukagatte ita tori desu ne. Sigmund sama ni sokkuri de sugu ni wakarimashita. Saratto nagashita. Mou sugu shuchou mizukara niyoru shukufuku no gishiki ga okonawaremasu. Zehi gishiki no mama de okoshi kudasai. Shukufuku tte Sigmund さんが受けられるんですか? いえ、Sigmund様ではありませんが、どなたがお授かりになるかは受けたまわっておりません。どういうことだろう? Vraiment, il va y avoir une cérémonie pour célébrer le... Comment on appelle ça déjà, putain? Le truc en rapport avec la religion. La bénédiction, voilà. Quelqu'un va recevoir la bénédiction du roi, entre guillemets. Ah, mais c'est l'autre! Quand il s'appelle déjà, j'ai oublié son nom. Donc voilà la cérémonie, la bénédiction. Ah voilà, c'est Edouard. C'est Ifrit. Il lui donne Ifrit. Vu que c'est le feu. Ça doit faire mal. C'est là où il se dit j'aurais préféré peut-être l'eau. C'est une nouvelle magie qu'il vient d'apprendre. Le feu, c'est un lunagramme. Et s'il perd ce lunagramme, il sera brûlé en enfer. Ce qui est bien. Ça donne envie. Je suis de retour. Ouais, Aya. Elle est allée aux toilettes. Elle est con. Elle est con. Elle est aux toilettes. What? En effet, elle était aux toilettes. Denka wa Feiyel shichou Sharuk sama no dai issi. Oi keishou ken wo motsu shoushin shoumei no hime ni gozaimasu. C'est une princesse en fait. Toilette ja nakatta no ka. C'était pas les toilettes. Putain, il est con. Ah, il est con ce personnage. Sigmund et son goïko. Yokoso wa ga Feiyel shichoukoku. Kokumin ni kawari, kangei shimasu. Je vous accueille avec toute ma modestie en tant que princesse. Sigmund et ses complices. J'avoue que je ne m'attendais pas à ça non plus. Gobusata shite orimashita. La vache. Ça faisait longtemps, mon roi.
無理やりに受けさせたのかと。気に入らんか。いえ、出過ぎた発言でした。母にも挨拶するとよい。仰せの通り。Dire bonjour à ta mère. ではこれに。Comme vous le dites. Apparemment, le roi fait force des cérémonies comme ça et donne des lunagrammes sans l'avis des autres. Et donc elle, elle est pas contente à propos de ça. Elle est trop belle. On dirait une reine. Mais on te dit que c'est une reine. Ah là là, c'est marrant. Et donc on va aller détruire une nouvelle chaîne. Donc on va aller se reposer. Et on ira détruire une nouvelle chaîne. Nébulaire, peut-être. C'est pas mal de chaînes, j'ai l'impression. Mais c'est vrai que le roi a l'air d'être bizarre. Avec sa fille, donc Aya, qui dit... Tu as encore forcé les gens à... Encore sorti avec des gens inconnus. ブルガスも認めてくださったわ。コモネイルであろう。人間をバカにしないで。世を治むるはハイネイル。かの者どももハイネイルの庇護のもとで戯れているに過ぎぬ。わからぬ。Qui parle des gens qui ont de la magie et qui n'ont pas de magie。儀式を受けぬのか。愛も変わらず。ああや。お父様はこの国の長で、あなたはその娘。自覚なさい。母様まで。お父様はあなた以上にあなたのことを理解しておいでです。全然分かってないわ。ハイネイルに人の心を分からないよ。人を並べるばっかりで。だからハイネイルになんてなりたくないのよ。Donc voilà, eux, c'est des Ainel, c'est-à-dire qu'ils sont nés avec la magie.Comparé, donc je sais plus comment ils s'appellent les autres, mais ceux qui n'ont pas de magie. Qu'est-ce que tu fais? Et donc voilà, un petit peu une sorte de supériorité, sentiment de supériorité. Je suis allé aux toilettes et je me suis paumé. Sors avec moi. Non, viens avec moi. Donc voilà.Elle aime pas la façon dont son père traite les gens qui n'ont pas de magie. Comme des moins que rien. Elle est pour un monde juste et égal. C'est joli. C'est mon endroit préféré. Tu as des problèmes? Tu as entendu?大体全部。J'ai tout entendu。聞かれちゃった。喧嘩できる両親がいるなんて、いいことだよ。Tu as de la chance d'avoir des parents avec qui tu peux te disputer。そうだ。笛吹いてよ。持ってるんでしょ。Joue un petit peu de flûte。犬も食わないラプソディ。聞かなきゃよかった。あのさ、あや。Encore un nom débile。ラプソディ。そんなに嫌？何言ってるの？僕が言うのもなんなんだけどさ、あやのことを心配してくれてるんだと思うよ。Tu n'aimes pas les cérémonies de ton père, tu n'aimes pas y participer。じゃあ、そんな簡単な話じゃないのよ。Pas aussi simple que ça. Je ne sais rien du tout.
Vu mes parents. Tu ne sens rien? Y a pas quelque chose qui cloche? C'est des Hainel tous les deux. Mais tu es une fille normale. Les Hainel à la base sont des humains eux aussi. そうすることで人はハイネイルに生まれ変わるの。Seuls les gens qui en ont la capacité reçoivent la cérémonie deviennent des Hainel. しかも代々市長の家系。儀式を受ければ必ずハイネイルになってしまう。必ずね。ハイネイルになれば力が手に入るわ。Devenant un Hainel, on devient plus fort. Je ne veux pas. Je ne serai plus une humaine normale. J'ai peur de perdre quelque chose en acceptant cette cérémonie et en gagnant de la force. Monsieur rejoue de la flûte. Le titre de cette chanson. Non, je crois qu'il vaut mieux que je n'entende pas. Ça va un petit peu mieux. Merci. Est-ce que tu sais où est la chambre? Je pense que c'est bon. Bonne nuit. C'est le deuxième bonne nuit quand même durant la vidéo. Il y a beaucoup de bonnes nuits dans le jeu. Elle a pris une nouvelle musique, enfin mélodie. Ouais. Jolie chambre. Il n'y a pas grand chose, mais c'est assez spacieux. Ok, que dalle. Alors, il y a que dalle. Ici, ça doit être la chambre de deux personnes. Lui, il avait une sorte de table, mini table. Mais on est dans l'auberge. Qu'est-ce qu'on fout dans l'auberge? On nous avait dit est-ce que tu sais où est ta chambre? Je pensais pas que c'était l'auberge du coup. On s'est fait virer du château, dis donc. C'est pas très gentil ça. したんですか。実はグスタフが見当たらなくなってしまって。グスタフ？姫様のペットなのです。へえ。あーや、ペットなんて飼ってたの？On a perdu Gustave. はい、このジーナが一生懸命お世話をしてまいりました。犬かな？C'est un animal de compagnie. 猫？惜しい。C'est pas un chien. アルマジロ。C'est pas un chat. 猫から遠くなってるじゃないですか。
Un almagilo. Un tapis ressemble à un almagilo. C'est un ours. この国ではクリムゾンベアって言ってとっても それはもういいからさ。とにかくですね。グスタフはクマさんですから、悪い人に見つかったら捕まっちゃうかもしれないのですよ。グスタフ est un ours. Si des méchants gens le trouvent, ça se transforme en soupe. クマナベか. よだれよだれ. La soupe d'ours. また失礼を。わかりましたから、一緒に探しましょう。お騒ぎしないで。ありがとうございます。顔だけそっくりな。カペルです。カペル様。では、何かわかったらまた Non, je ne vais pas avec toi. Je ne peux pas m'en occuper. À nous de chercher Gustave. Tiens, c'est pas ça Gustave, non? Non. Ah bah tiens, on peut demander... est-ce que vous êtes avec nous? Moi je veux voir l'ours. Et bon, c'est pas ça. Ils sont pas avec nous. Sinon, on aurait pu demander donc à Lucas et Loka. De parler au chat, peut-être qu'il aura pu nous aider le chat. Enma, est-ce que tu peux nous dire des trucs sympas? Non. J'ai toujours la même chose. Est-ce que toi tu connais les ours? Non. Si tu dis la même chose. Est-ce que les enfants ont vu l'ours, Gustave? Toi. On s'en fout. Hein, toujours des filles. Toi. Ah, mais toi, t'étais pas là tout à l'heure. Ah oui, t'étais pas là tout à l'heure, toi. Il vend des objets. Il vend beaucoup d'objets. On pourrait peut-être acheter des trucs pour faire manger. Ça mange pas de pain. Acheter, ouais. On aurait 4 en tout. Je sais pas si on fera manger, mais on verra de toute façon. Ici, il y avait un truc. C'est la taverne. Ah, c'est Balbagan. Un pays où il y a du bon saké, du bon alcool. C'est un bon pays. Ah, moi, j'ai pas vu l'ours, mais peut-être que les clients en ont vu un. Hein. Tu avais un ours? Non. Elle était toujours dans la boutique, elle a pas vu d'ours. On peut te parler à toi? C'est interdit? C'est pas facile. Apparemment, il est bourré. En effet. Il est au courant de l'ours, mais complètement bourré. Ok, toi, si t'as pas vu d'ours. Et eux, c'est des Ainel. C'est pas un endroit pour les jeunes garçons. Est-ce que j'ai quelque chose sur mon visage? Gros dégage. Ah. Qu'est-ce qu'il dit? Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux mon lunagramme? Ah, ah, tu es mignon. Toujours en train de faire la guerre. Ça me dit pas où est l'ours, ça. Est-ce qu'il
Il faut leur parler deux fois. Ah. Ouais. Quand on leur parle deux fois, le dialogue change. Papy. Mais je m'en fous. Il me parle des ours, des légendes et tout, je m'en fous. Ah, lui par contre, il change pas de dialogue. C'est un mystère ce jeu. Parfois il change de dialogue, parfois il change pas de dialogue. Toi. J'attends toujours ton papa. Oh, Eugene. Et aussi, il s'en fout de l'ours. On a toujours aucune info, et on s'en fout. Toi, est-ce que tu parles? Non, pas toi. Oh, c'est... J'avais pas fait gaffe, l'arme, on la voit vraiment, notre Falcon. Ou cimetière, je sais plus. Il parle toujours de Samsung. Où est le maudit ours? Ah putain, elle m'a fait peur. Elle dit que les ours se baladent en pleine ville. J'ai cru que c'était l'ours de la reine. Zendaya quoi. Mais non. C'est juste, voilà, que les ours se baladent en règle générale. On s'en fout, elle prend toujours des accessoires. Toi, tu vends toujours que des accessoires. À la recherche de l'ours perdu. Et voilà, c'est exactement ce qui me dit. J'aimerais pouvoir demander au chat, mais le problème... Ah mais si, quel con! Si, je peux. Il faut que j'emmène Lucas avec moi. C'est comme ça, oui. Et oui, voilà, quel con. Ok. Je crois qu'il parle de l'homme bourré. Il est où l'autre chat? Il est là. C'est mon territoire. C'est bien que ça soit ton territoire, mais je m'en fous. C'est pas ça que je veux, moi. Est-ce qu'il y a un autre chat? Je suis pas sûr. Toi, tu dis encore la même chose. Ouais. Est-ce qu'il y avait un chat par ici? Non. Non. Il n'y a pas de chat, il n'y a pas de porte. Y a pas d'endroit où on peut rentrer. Enma. Enma dit la même chose. Parce que quand on a un personnage avec nous, quand on l'utilise, les dialogues changent parfois. Donc on va voir si grâce à Lucas, les dialogues changent ou pas. On t'a d'abord parlé. Putain, l'ours s'est enfui. Ah merde, non, il faut que je dise à l'autre. L'ours est sorti en dehors de la ville. Peut-être qu'il est revenu, mais... Putain, il faut reparler deux fois. Non. Et toi? Ah, elle veut bien parler, elle, maintenant. Donc elle aussi, elle a vu l'ours. Ok. Il était dans la ville. Ah, voilà, c'est bon. On va lui dire qu'il est parti. Alors, il est sorti de la ville.
Aussi, j'ai entendu ça. Après, si on demande aux soldats de nous aider... Quoi ? Tu abandonnes la quête ? Mais ça va pas la tête ? Et en plus, utiliser des soldats pour aller chercher un ours ? Non, ils vont foutre de nous ! Oh, je suis désolé. Je voulais pas vous le dire. Je l'ai pensé très fort. Ça fait peur, un ours. Alors que vous combattez l'armée des sceaux, vous avez peur d'un ours ? Pauvre Capel. Bon courage. Capel a peur de l'ours, évidemment. Mais par contre, il faut que j'aille où? Est-ce que ça, c'est... Ah, c'est pas du tout. Est-ce que c'est la ville encore, ça? Ah, c'est pour aller ailleurs. Mais on peut pas y aller pour le moment. Ok, ça veut dire que l'ours n'est pas là. Il doit être à l'autre sortie, du coup. Bah, ça doit être celle-là. Parce qu'après, l'autre endroit où on peut aller, c'est le château. Mais évidemment, le château, bon, voilà, c'est pas sorti. Putain, encore ce désert. Et pourquoi la map s'est effacée ? J'ai plus de map. C'est abusé. Ah. Peut-être qu'on a retrouvé l'ours. Gustav ? Ah d'accord ! Gustav, fuis ! Si tu as besoin d'aide. Oh, une Gerudo ! Je suis Dominique, une mercenaire. Allez, on y va. C'est parti. Bon, on va la laisser toute seule. Hein. Enfin, tous les deux, même. Ah merde, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe, quel con. Oh non, load. Oh. Ça faisait un petit moment que je crois que j'avais pas sauvegardé. J'avais pas fait gaffe à ma vie. Le con. Merde. C'est le truc de l'ours. C'est ça. Bon, ça va. Ça va, c'est le truc de l'ours. Alors, toi tu viens avec nous. Hop. Voilà. On va parler à la fille aussi. Parce que c'est elle qui avait l'info. Ah. C'était un garçon. C'est pas grave. Et on va parler à la fille. Je sais pas si avec eux seuls ça peut déclencher le script. On va voir. Ah si, c'est bon. Bon, ça va alors. Donc on va aller sauvegarder, même si bon, c'est pas... On n'a pas fait grand chose, mais on sait jamais. On
J'ai fait gaffe à ma vie, hein. C'est vrai que j'aurais dû regarder ma vie. J'ai fait le con. Tiens, en fait, la nouvelle... Ah non, c'était pas une nouvelle mélodie qu'on a pris. Bizarre. On va aller retrouver notre ami Dominica. C'est dommage qu'elle s'appelle pas Sony ou LG ou Philips. Et qu'il y a un autre mercenaire qui s'appelle Samsung. Ça aurait pu être marrant. Mais je crois qu'on va, laisser les deux là, les deux compères s'occuper de, l'ogre. Ça sera peut-être mieux. Nous fera la pom-pom girl. Vas-y, débrouille bien. Ah. Gustave. Allez, vas-y, Gustave, courage. Merde, Gustave est mort ? Merde. On l'a tué ? Oh putain, il meurt ! Merde, il meurt ! Ça aurait été bien par contre qu'on ait genre une double quête. Genre une quête où il meurt et une quête où il meurt pas. Enfin, deux fins différentes, quoi. On aurait été triste quand même pour la princesse, pour Aya, mais bon. Bon. On peut pas le laisser se débrouiller, du coup. Il faut vraiment l'aider. Bon, c'est pas très très dur, hein, vu que... Ils étaient à la fin du combat, je les ai quasiment pas aidés. Et il est mort à la fin du combat, donc à mon avis... Putain, mais là, la map, elle a pas disparu. Putain, mais je comprends rien du tout à la map. Elle disparaît, réapparaît, c'est... C'est quand même un truc de fou. Hein. Putain, là... Bah voilà. C'est facile. Est-ce que vous connaissez Gustave? J'ai entendu l'histoire de Gustave auprès de la fille de tout à l'heure. Vous m'avez sauvé. Toi aussi, Gustave, tu as de la chance. Il ressemble vraiment à Sigmund. On le dit souvent. Vous ressemblez, mais à l'intérieur, vous êtes complètement différent. Vous n'avez pas l'air courageux, mais tu te débrouilles pas si mal que ça. Vous connaissez Aya ? Qu'est-ce que Aya pense de moi? C'est marrant, je t'aime bien. Merci. Mais vous allez pas me le dire ce qu'elle pense de moi? Enchanté. Moi et Gustave. Oui, enchanté, c'est très très bien, mais Aya, elle pense quoi? Allez, on rentre. Ah là là, elle doit vraiment penser du mal de moi. C'est ça, je me trompe pas. Gustave! Merci, madame Dominique.
Et toi aussi, Capel, un petit peu. Nous reverrons bientôt. Gaou gaou. Elle est mignon. C'est une journée très longue. J'ai pas pu me reposer. Voilà ça. Merde. Il a changé de dialogue. Tout à l'heure, il disait que Gina, donc la fille en fait, qui nous a demandé de retrouver l'ours, est extrêmement puissante. Ah bon? Il aurait pu aller chercher l'ours toute seule, hein, dans ce cas-là. On verra. On verra. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais plus ce qu'il faut faire. Parce qu'on a trouvé l'ours, ça c'est le château. On peut rentrer dans le château. Un design plutôt classique. Une porte. Ah, c'est Milché. Peu importe tes blessures, je te guérirai avec ses... avec son balcon qui est plutôt... éminent. Voilà, c'est ici en fait qu'ils font les cérémonies pour les lunagrammes, pour donner la puissance à des êtres humains normaux pour qu'ils deviennent des Ainel. Ah, la petite porte. Oh, il y a un truc. Un coffre caché. Ayanbo. Ah, c'est pour Aya, ça. Sigmund, notre frère jumeau. Nous ne pouvons plus perdre. Pourquoi on a perdu? Ok, donc là, il y a une autre porte. Ah, Solemnstam. Ils ont de ces noms. Je ne peux pas voir les étoiles, je ne peux pas prédire l'avenir. Donc toi, qu'est-ce que tu me dis de beau? Ah mais c'est Samsung! Samsung! Il était là! Donc lui aussi nous confond avec Sigmund. Samsung a bien changé quand même. Ah voilà, Kumo Nail. Vous, les Kumo Nail. Ça me dérange pas. Ça les dérange pas qu'on fasse ce dont on a envie, mais on n'y arrivera jamais vu qu'on n'a pas la puissance. Enfin voilà. Ils se prennent pour des gens supérieurs, les... Ah bah tiens, c'est Gina. Les Ainel. Sigmund-sama. Bon courage. Ah mais... Ah non, c'est pas Sigmund, c'est Capel. Donc c'est elle qui est extrêmement puissante. Ok. C'est une porte, ça? Ah oui, c'est une porte. D'accord. C'est une grosse porte. Ah merde, il y a une clé. Ouais, et là, je peux pas détruire le coffre en plus. Je peux pas sortir mon épée. Ça, ça doit être la salle du roi, j'imagine. Ça, c'est la salle privée du roi. Ah bah, il est dedans en plus.
Occupez-vous de ma fille. T'en fais pas. J'ai bien m'en occuper de ta fille. Ça aussi, c'est une porte. Putain, les portes, quoi. Ah, d'accord, c'est pour aller dehors. C'est là où on était. Ok, ok, ok. On a regardé les étoiles avec Aya. Tout, 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 un petit chat. Fais gaffe à ce qu'il n'y arrive pas quelque chose à Aya, parce que même si tu es un héros, tu ne t'en sortiras pas indemne. Sont pas très gentils quand même hein, dans cette cité. Ils se prennent tous pour Dieu le Père. Donc du coup il n'y a plus que la grosse salle, c'est ça? C'est ça. Est-ce que vous dites des trucs sympathiques? Pas du tout. Pas du tout. Ils disent la même chose. T'es qui toi? C'est Habisto. Putain, tout le monde nous prend pour Sigmund. Amy. Elle ressemble un petit peu à Dominica. Enfin. C'est bizarre parce que. C'est un petit peu. Après, c'est la coupe de cheveux qui est différente, mais. C'est bizarre parce qu'on peut voir son visage, donc est-ce qu'elle va avoir un rôle important dans la suite de l'aventure? C'est assez étrange que... Je sais pas, les autres gardes, ils ont tous des casques. Elle, non. En plus, elle a un nom. On verra. Du coup, bon, Aya n'est pas là. Elle est peut-être déjà dehors. Ah, c'est pas une porte, ça. Ça ressemble à une porte, mais c'est pas une porte. Là, on y était allé. Hein. Ouais. On y est allé, donc ouais, il n'y a plus rien. On peut sortir du château. Alors... Hein? Oh putain, j'avais pas fait gaffe, dis donc. Heureusement que j'ai regardé la map en haut à droite. Donc c'est lui qui a reçu Edouard, le lunagramme du feu. Donc il est passé de humain à Inel, entre guillemets, si j'ai bien compris l'histoire. Il est passé de Comonel à Inel. Ça fait penser à Harry Potter avec les moldus et les pas moldus. Ah bah oui, du coup, ouais, j'étais pas venu ici vu que je suis mort. Bienvenue. Allez, il parle toujours de saké. Ah, il y avait un coffre. Ouais, c'est vrai que vu qu'on était mort, il faut refaire encore ça. Donc ouais, du coup, il parle plus du tout de l'ours. Évidemment, vu que c'est fini. Vesplem. La tour de Vesplem. Ok. Papy, parle-nous s'il te plaît avec tes baguettes. Et donc lui il parle de la chaîne qu'on va péter.
Ah donc apparemment ça sera peut-être la tour de West Plain où on va aller vu que tout le monde en parle. Et elle, c'est des amis de Dominique. Hein. Mercenaire de tout à l'heure qui nous a sauvés. Nous a aidé à sauver Monsieur Gustave l'ours. Ok, donc apparemment, la tour. Ah, ça doit être le truc là-bas. Il y a une chaîne qui est accrochée à la tour, ouais, ça doit être ça, je pense. C'était un endroit, c'était un camp d'entraînement pour les Ainel, la tour. On va aller sauvegarder. Je sais pas si on va dormir. Ouais, c'est ça, c'est ça. Demain, on va aller à la tour de West Plain pour détruire la chaîne. Ok. Qui nous a dit que... on ne va pas pouvoir revenir en arrière une fois que on va aller parler à Eugene. Donc il faut se préparer avant, donc merde. Fait chier. Je vais devoir acheter les objets avant. Le problème c'est que je sais pas qui je vais prendre avec moi. C'est ça le truc en fait. Donc à Eonbo, on vient de la voir. Mais le bac... Bac de haut est meilleur. Putain, fait chier. Fait chier. On va prendre ça pour lui, pour Edouard. Bon, Balbagas, ouais. Prendre ça. Pour Milché. Ça, le problème, j'ai aucune idée de ce qui va se passer, quoi. Bon, on va s'acheter une armure juste pour nous. Allez. Et au niveau des objets, c'était pas toi, hein, c'était là-bas les objets. On a donc ça, ouais, c'est des potions. On a 22 potions normales, des petites potions. Par contre, on a 0. Ouais, on a 0 potions normales. Et ça, c'est pour soigner plusieurs coéquipiers en même temps. C'est pour la magie. La magie, on en a 8. Ça soigne un petit peu. On va en prendre 2. On sait jamais. Et queue de phénix, est-ce que j'en ai? C'est quoi déjà les queues de phénix? C'est son... Ah, j'ai plus de queue de phénix. On peut pas acheter de queue de phénix. Ouais, on peut pas acheter de queue de phénix. Ça s'appelle pas des queues de phénix, évidemment, mais... C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Pour les MP, voilà, maintenant on en a 10. On va peut-être prendre... Et on va prendre 4 potions. 4 potions normales. On verra bien. Je pense que ça devrait suffire. On va faire 2 sauvegardes. Comme ça au moins. On sait jamais. Oui, donc maintenant on va équiper notre ami Capel avec son armure. Ça vaut le coup de dormir, je suis pas sûr. Voilà. Et on re-sauvegarde là. Voilà. Ouais, non.
Ah bah de toute façon, voilà, on dort automatiquement, donc. J'avais pas besoin de payer pour dormir. Personne. Personne. Qu'est-ce qui se passe? Il se barre déjà. On y va! Qu'appelle? Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle se cache? Vous êtes lent? Est-ce que vous partez? Est-ce que tu as demandé à papa? Moi aussi, je vais avec vous. Tu viens avec nous? Vu que tu n'as pas demandé à ton père, je dois bien faire ça. Elle a un visage qui fait peur quand même, Dominique. Hein. Est-ce que tu connais Dominique? Un tout petit peu? Tout à l'heure. Est-ce que Gustave va venir avec nous, Gina aussi? Ah non. Occupez-vous bien de la princesse. Je ferai de mon mieux. Dominica vient avec nous en plus. Emmenez Gustave avec vous. Gustave, non? Il est devenu trop gros. On ne peut plus s'en occuper. Ah, désolé, je voulais pas le dire. Tu viens avec nous? Il va coûter cher en bouffe. Ah, il va venir avec nous. C'est bien ça. Ça va devenir un combattant. Ça va devenir un combattant. Sans deck? Sans deck? Non! Comme dans FF6 avec Mog. C'est énorme! Ou avec Umalo. Umalu? Umalo? Je sais plus. J'ai oublié son nom. Oh, c'est énorme! 4210. Le tank. 4210 points de vie, quoi. La vache. On va le prendre, hein. On va le prendre. Ensuite, on prend qui? Elle, on peut la mettre quelque part. On peut la mettre quelque part, ouais. Le problème... Hmm. Attends, Gustave il prend de place ou quoi? Sans deck? Il prend deux places? Il prend deux slots. Ah oui, bah Gustave tu vas avoir ailleurs. Hein. Gustave tu vas avoir ailleurs si tu prends deux places. On va prendre Milché. Si, on va prendre Milché. Ouais. On va prendre Milché, mais... parce qu'il nous faut un soigneur qui soit mage aussi. On va prendre... Edouard. Et en face, on va mettre truc. Ah, mais c'est peut-être mieux quand même de mettre... Dominica. Non, en fait, Gustave, on va l'enlever. Il prend trop de place, Gustave. Je suis désolé. Voilà. Est-ce qu'on met Balbagan? Ouais. Bon, au final, voilà. On n'aura pas pris Gustave. Tout ça pour ça. Donc. Aya. Voilà.
Velark, par contre, du coup, bah, j'ai pas d'armure. Eh oui. Toi, par contre, tu as ton arme. Ah, bah, lui, il a les restes de Capel. Okay. Toi, tu as ton nouveau bouquin. Toi, sa défense, seulement ta défense. Ouais, c'est peut-être bien vu que c'est la mage, mage prêtre. Vous voyez qu'il y a un petit peu plus de défense. Nous, on n'a pas de meilleure arme. Hein. La musique a changé. Donc, on peut pas revenir, ouais, c'est ça. Ok. Je pense pas qu'on va aller jusqu'au pétage de la chaîne. Surtout qu'il y a plusieurs chaînes apparemment. Parce que ça fait déjà une heure et demie. Ça fait une heure et demie, ouais, quasiment. Donc je pense que je vais pas tarder à arrêter. Mage. Oh, ça fait mal. Viens ici, petit mage. Il n'y avait pas beaucoup de vie. On a tué les perroquets. C'est bon? Et tranquille. J'ai aucune idée de là où il faut aller. Enfin, j'imagine qu'il faut aller vers la tour. Mais vu que j'aime bien explorer quand même un petit peu. Ah bah d'accord, c'est pour retourner à la capitale. À Fayel. Putain, mais ils ont tous respawn, con. Oh la vache. Ok, d'accord. Oh, l'écran se rétrécit de plus en plus quand on meurt. Qu'est-ce qui est fou, l'autre? Pourquoi tu te barres à ton bout tout? Mais, ils vont où? L'IA n'est pas très douée parfois. Et la magie à tête chercheuse. C'est logique d'un côté, hein, mais. Ça aurait été bien que ça soit la FF14 ou des trucs comme ça, ou. Si on arrive à pas être sur la zone ciblée, on peut éviter le sort. Mais ça marche pas comme ça. On va enlever notre épée. On va délimiter un petit peu la map. Quoi ça? C'est pour faire à manger. Quoi, il y en a une autre? Ouais, on a obtenu de la viande. Du poulet.
Oh putain, qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui a fait ça? Moi, j'ai pas l'impression. Et oh. Quelqu'un qui est en train de jouer au bowling. Les personnages sont très lents quand même à se déplacer. Je sais pas pourquoi ils sont aussi lents. Enfin, j'ai perdu les chaînes. Attendez, il y a un truc chelou là, on voit plus la tour. On voit plus les chaînes. Allez là-bas. C'est comme la tour Eiffel, plus on se rapproche de la tour Eiffel et moins on la voit. À un moment, on se dit, putain, mais attendez, là. J'ai paumé la tour Eiffel. Alors qu'elle est devant nous, elle est cachée par un bâtiment. Les choses qui arrivent. Waouh. On va tuer le mage d'abord. Il fait beaucoup de dégâts donc. Voilà. Putain, mais Edouard, il met trop de temps pour attaquer. Oh putain, il y a un ogre. Non, Edouard, Edouard, au pied. Merci. Oh putain, encore. Bon, ça va. On a réussi. On se repose ici. Non mais moi ça va. Reposez-vous un peu. Je dois te parler. Qu'est-ce que c'est? Je ne peux plus détruire les chaînes. Et... Ça craint? Pourquoi? Je ne peux pas le dire. J'ai essayé de péter la dernière chaîne, mais je ne suis pas arrivé. Tu seras le centre de la guerre désormais. Ça me pose quelques problèmes. Je te protégerai. Reste comme tu es. Dès que tu auras trouvé quelque chose d'important à tes yeux,
Protège-le de toutes tes forces et de ta vie. Oublier des choses que je ne devais pas oublier. Mais je l'ai trouvé. C'est pour ça que je te protégerai de toutes mes forces. De quoi tu parlais avec Sigmund? Qu'est-ce qui serait bien pour le repas du soir? Tu te fous de moi? Jamais il parlerait d'un truc comme ça. C'est moi le bras droit de Sigmund et c'est pas toi. Il est jaloux. Décidément, tout le monde est jaloux de tout le monde. On va te virer, Edouard. Fais gaffe. Est-ce qu'on peut arriver jusqu'à la tour ? Ah, on peut faire quand même quelques achats pour les objets. Il dit que ça va être un combat féroce à partir de maintenant. On peut se reposer. On s'est déjà reposé apparemment. Ah. Merci, oui. C'est très gentil. Merci. Ouh, strike. Strike, strike, strike. Non mais à quoi ça sert franchement à part nous faire chier quoi. Ça c'est un passage typiquement pour nous faire chier. Ils ont vu ça dans Zelda 64, ils se sont dit putain, on va faire la même chose. Sauf qu'il y a 10 ans qui sont écoulés hein, depuis Zelda 64. Et que ce jeu est sorti en 2009. Zelda 64 a dû sortir... Je sais plus si c'était en 97, 98... On va se mettre à 8 sur l'ogre. Il a rien compris. Il a rien compris. On se croirait dans un MMORPG, franchement. Le bordel. Je crois qu'on va les laisser, ils ont pas besoin de moi. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Herbe médicinale, ok. Ça, je sais toujours pas comment les péter ces rochers. Mais voilà. En 2 secondes, il n'y a plus d'ennemis, quoi. Pourquoi je suis tout seul? Ils sont barrés les autres. Je crois que c'est par là. Ah c'est ça. Westblame, la tour de Westblame. On peut sauvegarder. Sauvegarder sur ça. Voilà. Faisons attention. Il y a 3 entrées.
一筋縄じゃいかなそうだね。怖い。太陽を開ける。カペルは私と共に来い。はい。カペル viendra avec moi。Avec Sigmund。残りはそうだな。Ouais, on sépare les groupes en trois, j'adore. Alors, là c'est mieux ça, en trois. Oh putain, Aya sera leader d'un groupe et en plus, après il y a Edouard. Ok. Donc il nous faut un healer. Milché, tu viens avec nous. Après il faut un healer pour... Ouais, on va mettre quand même l'ours. Et donc avec nous, on va prendre la fille, tiens. Je peux pas la prendre. Ok, c'est pas grave. Toi, on va te mettre en healer. Et on va mettre Balbagan. Comme ça, nous... Ah merde, j'ai oublié quelqu'un. Ah bah non. Merde, le con. Non, on va mettre Balbagan, quoique... On va mettre Solace. Parce que nous, on est deux attaquants, on a un mage. Mage prêtre. Eux, pareil, ils ont un mage prêtre. Ils ont deux attaquants avec, bon, une archère. Là, il y a deux attaquants et un prêtre. Une prêtresse plutôt. Nous on peut mettre un mage avec nous, mais est-ce qu'on prend Eugene à la place? Ouais, comme quoi que non, on va prendre Lucas, c'est pas grave, on va prendre Lucas. On se retrouve en haut de la tour. Oula, je me fais tabasser là. Peut-être dû prendre en fait un autre mage prêtre. Parce que Milché va peut-être avoir du mal. Oh, il y a Edouard. Ah, c'est comique ça. C'est marrant. Là, on peut pas passer. Par contre, ce qui me fait peur, ouais, c'est que le prochain point de sauvegarde risque d'être dans très très longtemps. J'ai l'impression que Milché aime pas trop soigner en plus. Hein. Je sais pas si elle a un sort de groupe en fait. Sort de soin de groupe. Mais c'est bon, il est mort. C'est qui ça? C'est une archère. Mais c'est bon, utilisez pas la magie sur des ennemis morts. Quoi. Tu frappes où, Capel? Tu es aveugle.
Tu peux revenir ici, s'il te plaît? Merci. C'est quoi ça? Un mage. Tous sur le mage. On va les séparer au niveau des ordres. Ça sera peut-être mieux. Il y a pas mal d'ennemis parfois. Peut-être mieux que chacun attaque un ennemi. Ça va. Ça va être chiant. Il faut choper des pierres qui vont nous permettre d'ouvrir les portes. Problème. Où est-ce qu'on obtient les pierres? Parce que là on peut pas. Est-ce que c'est en tuant les ennemis qu'on va obtenir la pierre? J'espère pas. Oh, j'espère pas. Et... Je suis content. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il va nous passer la pierre à travers les grilles. C'est ici, non? Juste à côté. C'était où? C'est là? C'est pas là? On est venu ici? Putain, je sais même plus. Au secours. On est paumé. Marrant ça. C'est marrant. Hein? Ah voilà. Vu que tout se ressemble, putain, on se paume. Ça ouvre cette porte. Ok, d'accord, quand c'est ouvert, c'est bleu. Il y a un ennemi qui vient de popper. On sait pas trop où. Et là, il y a un ascenseur. Magique. Ah bah, un point de sauvegarde. Bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là vu que ça va faire 2 heures.
Et on continuera la prochaine fois dans cette tour de l'enfer. C'est 111 minutes en plus, il n'y a que des 1. C'est parfait. Donc voilà, c'était la suite d'Infinite Discovery. Et je continuerai sûrement, voilà, vu qu'on est mardi dans la semaine, on continuera Infinite Discovery. Sur ce, je vous dis à la prochaine et merci. Bye bye.